Bonjour, je suis le père Gonzague Lalanne Berdoutic, jésuite, et je suis en mission sur le plateau de Saclay, près des étudiants des grandes écoles. Et je suis actuellement au JMJ, avec le programme Magis, pour se préparer à la semaine qui aura lieu à Lisbonne. Dans le cadre de la semaine Magis, nous sommes actuellement à Indiana Nova, un petit village au centre du Portugal, avec un groupe d'une trentaine de pèlerins venus de France, mais aussi de Belgique et de l'océan Indien, avec des pèlerins de Maurice, de La Réunion ou de Madagascar, parce que nous sommes un groupe francophone qui travaillons sur la question de l'agroécologie, comment, en l'écoute de Laudato Si, nous pouvons passer une agriculture plus respectueuse de la planète. Notre journée se déroule autour d'abord d'un topo qui nous aide à entrer dans les enjeux plus spirituels, qui ouvre un temps spirituel. Et puis après, nous avons des rencontres, soit des fermiers, des gens engagés dans l'agroécologie, soit plus des conférences pour entrer dans ces enjeux. Et enfin, la journée finit par la messe et un temps de cercle magis qui nous donne de laisser résonner ce que nous avons vécu pendant la journée. À quoi sert un expériment ? Un expériment, c'est tout type d'expérience. Ça peut être un pèlerinage, ça peut être une expérience de théâtre, ça peut être comme nous une expérience autour de l'agroécologie. L'enjeu étant, eh bien, dans cette expérience que nous ne faisons pas forcément au quotidien, d'apprendre à découvrir Dieu à l'œuvre dans nos vies.